avons progressé dans la connaissance, si nous avons progressé dans la maîtrise de la nature, je parle de la nature extérieure, avons-nous pour autant progressé dans la connaissance et la maîtrise de nous-mêmes et de nos passions? Le monde moderne donne à cette notion, à ce concept de progrès, un sens d'amélioration et de croissance indéfinie. C'est un idéal qui en réalité se heurte aujourd'hui au constat incontournable que les ressources de la planète sont limitées et que notre mode de vie est basé sur des énergies polluantes et non renouvelables. La question, en quoi consisterait alors un véritable progrès pour notre humanité? Puisque cette notion de progrès répandue dans notre monde actuel affecte directement ou indirectement les jeunes, parce qu'il est présent dans nos sociétés, nous sommes en droit de nous demander, nous sommes interpellés, notamment par des questions, je citerai deux. Quelle est la position des jeunes face au progrès, les éléments de ce progrès qui affectent ces jeunes? Deuxième question, comment les jeunes peuvent-ils proposer un projet bénéfique pour le présent et pour l'avenir? Cependant, les pressions exercées sur nos sociétés, sur les jeunes, sur notre jeunesse, sa déstabilisation, parce que nous sommes tous dans un monde où pas seulement les jeunes, tout être humain commence à se poser des questions autour de soi-même. Ils se cherchent, nous nous cherchons. Il y a une grande partie de notre population mondiale qui est perdue. Alors, cette position de la jeunesse et cette déstabilisation, si on peut dire, est un phénomène dont les conséquences touchent tous, comme je viens de le dire, toutes les sociétés. Leurs effets apparaissent sur les jeunes, puisqu'ils forment la partie sensible où apparaissent les symptômes du dysfonctionnement de ces sociétés. La dernière question, comment opérer le changement bienfaisant et global de société au travers la volonté et au travers les capacités de la vie? Je vous remercie.